L'équipe est très excitée, mais aussi très nerveuse. Elle espère du moins que ce film ne sera pas maudit. Ça n'a pas l'air de les gêner. Le dernier jour du tournage se passe à la gare de Roma Street. Elle n'aime pas non plus les gens qui prennent des photos sur le tournage. Il aime aussi avoir des acteurs avec un turban sur la tête. Karine est impressionnée, mais retourne très vite à son travail. Tout le monde est très content de le voir partir. Ils ont peur pour leur sécurité et ne veulent pas mourir. Elle demande régulièrement aux membres de l'équipe. Lui, ce qu'il aime, c'est coller des bandes adhésives de couleurs dans des endroits amusants. Même s'il sait qu'ils sont en danger. Ça les amuse. Souvent, entre les prises, il encourage son équipe à faire le meilleur. Sans superviseur, sans fil. Qu'il a déjà voyagé à l'avant d'un train avec le conducteur. Peu de temps après, tout le monde vient voir la valise. Il les trouve jolis et très doux. L'équipe est allée à Karina pour le deuxième jour du tournage. Elle est aussi ennuyée que ses bracelets puissent agacer le responsable du son. Alicia, elle, ne l'a pas lu. Elle n'apprécie pas qu'Adrien Pudlik, son partenaire à l'écran, lui envoie de la fumée sur le visage. Il a dessiné le portrait de Kelly. Dit que ses bracelets ne le gênent pas. En fait, comme il s'agit de membres de sa propre famille, il arrive à les convaincre de rester. Elle rit en voyant la fausse barbe de Linton. La dernière prise du film est très dangereuse à réaliser. Le tournage a pris du retard. A remarqué une coccinelle sur le rebord de la fenêtre. Il est cloué sur place comme subjugué. Elle n'a pas encore oublié l'épisode de la coccinelle et ça l'énerve. Dans la pièce à côté, le premier assistant du directeur, les gens qui font le spectacle d'ombre chinoise. Fed, bizarrement, a peur de vomir un jour sur un plateau. Il aime parler dans son talkie-walkie, même s'il ne marche pas. Il n'aime pas, par contre, avoir dans le couloir quelqu'un à côté de lui. Et l'équipe de Linton l'a abandonné. L'équipe chargée des décors est occupée à rechercher des costumes pour la prochaine prise. Les principaux responsables de la création travaillent. La production est de plus en plus de retard et de qualité médiocre. Enfin, annonce la fin du tournage pour la journée et se dirige directement vers le frigidaire. Come on, go! À 2 h de l'après-midi.
commencé à midi le quatrième jour. Hello, Mrs. Weston. It's Werner Brim from Downtown Finance. Elle n'apprécie pas. Yes, that's right. Yes. Il comprend maintenant pourquoi il a dû travailler seul. Mrs. Weston, we again have to foreclose. I said we're going to have to foreclose on the loan. Goodbye. Évoque une plaisanterie qu'il vient de faire. Il a envoyé des membres de la production. Elle aime aussi le clic-clac des talons hauts sur le parquet. Certains sont allés ces deux derniers jours sur un plateau. Ils ont beau la regarder. Ça n'amuse pas Karine.